encore matin, on a démarré le journal là vraiment sous dossier qui vient pour assassinat ancien président Jovenel Moïse, premier ministre Ariel Henry dit, les parés pour livrer haïtiano, américain, colombien, l'autre suspect qui était collaboré avec la compagnie sécurité ça qui est basée Miami, qui est impliqué dans un complot pour assassiner ancien président Jovenel Moïse. Oui, dans l'interview ça, le journal américain Miami Herald qui publié samedi passé, un chef gouvernement a déclaré si États-Unis mandait les salles à fouiller Bayo, tout citoyen, individu qui a arrêté dans le cadre de dossier ça. Pour plus de détails, avec nous en direct à Luxon Saint-Ville, correspondant permanent non depuis aux États-Unis. Luxon, bonjour. Bonjour Pierre-Renel René, bonjour Robert Céline, bonjour tout auditeur et auditrice qui a écouté Radio Caraïbe Matin. Et les informations, yo, en plus, qui ça y est, qui ça qui dit, après ça, nous rappelons là, qui sorti dans l'article ça, journal Miami Herald écrit, et suite avec une interview, yo, premier ministre a été accordé, yo, côté, il dit en résumé, et que les prêts pour voyer bail aux États-Unis tout le monde qui arrêté qui impliqué dans quatre dossiers ça et demandé à Badjo pour rendre tête li ou bien l'état doué rendre tête li. Effectivement, son nouvelle qui circulait pendant tout week-end sur les réseaux sociaux, il y a pile monde qui était déjà au courant de ça et il y a des monde qui étaient même étonnés par rapport à la nouvelle ça, mais oui, justement, premier ministre Ariel Henry, dans le cadre d'une interview exclusive li by Miami Herald, une interview qui paraît dans un article qui sorti samedi passé, Ariel Henry, effectivement, il déclarait que il est prêt pour livrer certains Américains d'origine haïtienne, colombien, l'autre monde qui suspecte, qui était collaboré avec Société Sécurité, ça n'a pas rappelé qui est le CTU, qui est basé dans l'État Floride, qui est contribué dans recruter et commando colombien Sayo pour te rentrer en Haïti et qui te pénétré comme président en pèlerin 5 et contribuer dans assassinat ancien président. Ariel Henry dit li pote support avec toute action que l'autorité américaine yo a fait dans quatre dossiers ça. Li dit, j'en saute mentionné là, si États-Unis mandel ça, il est prêt pour le bail toute coopération, toute collaboration, en façon pour capable faire enquête là, lui-même avancer. Neurochirurgien, il était profité pendant l'interview, ça a démenti information qui t'a fait quoi que lui impliqué dans l'assassinat ancien président et que la protégé suspecté que tout le monde connaît qui est le Joseph Félix Badjo qui actuellement est en cavale et selon plusieurs médias américains Joseph Félix Badjo particulièrement CNN est toujours en Haïti et Ariel Henry était tout profité dit que Badjo lui-même ça le connaît de lui c'est que lui a travaillé dans le domaine renseignement. Elle dit c'était pour le ministère de la Justice et division anticorruption, gouvernement haïtien, et l'étape travail. Et Ariel Henry lui dit que pendant l'interview, ça, l'a profité faire une annonce publique pour lui dire Joseph Félix Badjo pour lui renier par la police, ça qui pourrait le permettre de gagner la vérité qui sortit ce dossier. Et Ariel Henry, c'est comme quoi c'est on annonce officiel que le fait, il parlait avec Joseph Félix Badjo pour le deal, run tête li, de façon pour dossier lui-même, lui capable d'avancer. Alors, on dit que sous question ça, et Ariel Henry, il dit que lui-même, Joseph Félix Badjo, c'est un monde que lui n'a pas aucun contact avec elle depuis l'Elinama au 1. Il dit que la dernière fois qu'elle était parlé ensemble avec elle, c'était 5 juillet 2021, soit environ yon a deux jours de l'assassinat Jovenel Moïse. Il dit que
il a parlé avec zone 5 juillet, le que il était suggéré Joseph Félix Badio pour le rentrer en contact avec elle parce que il était dit que Badio c'est un expert dans la question renseignement et il était voulu by conseil avec le gouvernement, il était gagné un nouveau cabinet ministériel qui t'a monté. Alors il y a Henri Tina interview ça que c'est pas un monde que lui qui a une relation continue avec elle, j'avais dit son monité continue par avec elle, il dit qu'il n'y a pas de côté la vivre, et il dit actuellement qu'il n'y a pas de côté lié, mais sauf que il conseillait Joseph Félix Badio, et même annoncé même Joseph Félix Badio, t'a doué rendre tête li, ben la police, en façon pour capable permettre que le dossier arrive même avancé. Est-ce que déclaration ça, sous Jean l'annoncé, Félix Badio t'a dû rendre tête lui pas trahi ça l'a dit on monde que le pas en contact avec lui et puis il est certain que le pour le rendre tête lui c'est pas mandé demander mais j'ai l'impression sur lui déclaration c'est comme lui certain sur ça le dit. En plus, le monde déjà a relevé des contradictions dans les déclarations que le Premier ministre a fait dans l'interview ça Miami Herald et même Miami Herald a posé des questions et par rapport avec l'annonce, le Premier ministre a montré que il y a une série de pouvoirs et des bagages que le café et gain Jean le café a bougé. Donc, on dit que Miami Herald, lui-même qui sort cet article-là, il écrit que c'est un sortie qui peut provoquer un pile débat et justement c'est un article qui provoquait un pile réaction sur les réseaux sociaux. Un pile monde a estimé que si le Premier ministre a annoncé que Joseph Félix Badio pral rendre tête li, est-ce que ça t'a dit ou que le Premier ministre connaît côté Joseph Félix Badio lui-même lié. Donc c'est un bagage qui provoquait un pile question, mais est-ce que c'est ça les dit ou bien est-ce qu'elle dit qu'il doit rendre tête lui ou bien il prend le rendre tête lui. Et qui ça article a dit clairement les mêmes. Alors, sous point ça, il faut que je dise que même entre journalistes des médias qui a publié article ça, tu as gagné en pile échange. Pour qu'on ait, est-ce que si on va avec le Premier ministre lui-même lui annoncer, est-ce que son bail que le souhaiter, ou bien est-ce que son bail que le connaît qui va arriver. Moi-même, moi toujours prends le soin de gagner article ça qui sortit, et surtout qu'on est. C'est en anglais, il faut prendre le soin pour traduction à faire, surtout en créole, il n'est pas trahi. Version originale là qui en anglais. Moi, toujours prends le soin d'une citation. Mon n'a dit pas au la bouche lui-même, je mettais l'entre guillemets. Moi, prends le soin pour me répéter même ça, mon n'a dit. Parole au Premier ministre Ariel Henry. Il dit que moi, je voulais faire une annonce publique pour dire Joseph Félix Badio a pris une tête par la police et laisse ça n'a gagné toute la vérité. Mm-hmm. C'est ça. Premier ministre Ariel Henry dit des paroles salies entre guillemets dans l'article là. Okay. Et puis devant il dit que pour question de la justice là, dans l'affaire ça, Joseph Félix Badio doué rendre tête lui-même, c'est comme ça Premier ministre conclut sur partie ça. Donc de toute façon pour nous dire que nous virer phrase là, nous tourner et nous essayer de garder sens li. N'importe qui ont viré, c'est même bagarre à la pied. Son annonce que le Premier ministre a fait, elle dit que Badio doit rendre tête lui-même. Mm-hmm. Donc, pas de amalgame, pas de confusion là-dedans. Jean Mouniotan de là, c'est comme ça, moins ou elle. C'est comme ça, plusieurs mouns ou elle, tout. Dans l'article là, peut-être qu'il y a un monde qui a étonné, les ou elle, mais regardez, le gars de traduction, viré le tunnel, n'importe qui ont viré, c'est toujours même parole là, c'est une annonce que le Premier ministre a fait. Et il fait connaître que Badio t'a loué dans la tête lui-même. Et là, nous avons l'impression que lui t'a parlé avec l'Américain dans un journal américain, puisque d'ici États-Unis mandé ça, l'avoué Bali pour aller répondre accusation, Yogin Soudo, et là, il t'a parlé de Haïtiano, Américain, Colombien et l'autre suspect qui était collaboré à la compagnie sécurité qui basée dans Miami. Mais sous place, en Haïti. Et côté enquête là, a marqué par sous place, qui ça le dit, qui engagement le prend pour permettre que l'enquête soit capable d'avancer en Haïti même. Alors, faut
Allô? Oui. Oui, alors, et pour dans cas d'interview, ça, le premier bagage, le premier ministre en fait, c'est que l'Ivo rejeté toute accusation qui pesait sous dol comme quoi il participait ou bien il contribuait dans le complot. Le premier ministre, il était dans le commencement de l'interview, il dit que il pas connaît et les bagages arrivés là. Il dit que s'il te connaît, il a bien dit président. Qui ont un complot qu'a fait pour assassiner. Il dit pour lui-même, et ça qui est important, c'est que c'est arrêter, mettre main sur tout le monde qui est impliqué dans le cas de fait ça. Il dit que il parlait avec un instigateur complot, ça qui c'est Joseph Félix Badiou. Il dit que il pas songé le parler avec elle. Mais Ariel Henry, des fois, il y a des paroles qui ont été gens. Et département et dans même et interview ça il dit même si il t'a parlé avec Joseph Félix Badiou et c'est pas bagarre important qu'il t'ait parlé ensemble avec elle. Et donc il dit que dans l'interview ça il voulait que justice vienne avec ancien président et Jovenel Moïse et il dit que pour qu'on y a là il quitte le soin à ministère de la justice et la police pour continuer mener enquête là, de façon pour capable de mettre en colère tout le monde qui participait dans le complot. Ça lui réitérer l'engagement comme premier ministre pour lui faire tout ça lui connaît pour enquête ça lui-même lui capable d'avancer, même si que lui-même lui gagne non qui cité. Mais il faut nous dire sous question et livrer le monde aux États-Unis. Et dans l'article ça, nous capables entre premier ministre là. Et ministre justice là gagné un certain désaccord parce que le premier ministre n'a beaucoup parlé dit prêt pour les livrer américains, colombiens, tout le monde qui suspecte dans le dossier. Hein, mais beaucoup de ministre justice là, Bertrand Dorsey, n'a pas montré que gagné et volonté pour t'envoyer dossier ça et la justice américaine. Et Miami lui-même lui mentionné ça. Et Joseph Bertrand Dorsey, dans le cadre de l'article ça, Miami a fait connaître que Bertrand Dorsey a souhaité que l'affaire là soit traitée en Haïti et le jugement soit fait en Haïti. Ariel Henry dans l'article ça, il dit que il croit dans le ministère de la Justice qui a fait un travail, mais il dit qu'il estimait que capable d'avoir une certaine faiblesse. Et c'est peut-être ça alimenter aide. Le gouvernement américain et lui-même dit qu'il prévoit mander aide bon côté 15 membres dans la communauté Caraïbes qui c'est CARICOM et Haïti membre la donne pour capable porter un élément indépendant dans le cadre d'enquête ça que selon Ariel Henry capable et fait processus là il avance plus bien mais tout avec un peu d'expertise. Je me demande puisque la justice américaine prend dossier en main, qui ça qui arrivait, qui ça fait avec CTO? Jusqu'à présent, c'est son question pile mon appel. Une question pile mon appel posé. Et dans un pile article qui a sorti, ou pas tant de gain, soit une information qui sorti sur ce site. Journal n'est pas intéressé à ça. Pour le journal américain, il a écrit, il a pris une interview, il n'y a pas besoin d'intéresser à ça. À connaître ça. Alors, au début, et t'as qu'à dire quelques mois, deux à trois mois après l'assassinat, t'es gagné des tentatives qui t'es faites pour te parler avec responsable compagnie, ça, mais qui pas te répondre. Faut que nous dire que moi-même, tout moi t'ai fait quelques tentatives. Premièrement, le réflexe, ça, c'est aller sur le site internet là, checker information. Si tu as un numéro de téléphone qui, jusqu'à présent, l'oreille et l'oupaka joigne, c'est un message vocal. Moi, après, moi, j'ai fait une tentative et pour moi, j'ai jeune compagnie. Je t'ai dit quitter message, moi, j'ai quitté message, moi, j'ai même écrit un email avec un responsable d'un compagnie. Jusqu'à présent, son email qui était sans réponse. Compagnie, si tu trouvé une zone qui est Doral dans Florida. Alors, on dit compagnie n'est pas exactement dans Miami. Il y a une zone qui est Doral dans l'État Floride. Compagnie, ça, est-ce que l'ouvrit? Est-ce que l'y fermait? Est-ce que l'autorité américaine mettait les souliers? Est-ce qu'elle continue à fonctionner
même j'en sais avant, nous pas gagné un détail. Mais j'en dis à médias américains, dans tout article qui a sorti, pas vraiment gagné rien qui dit de City. Maintenant, article Miami, là, il a juste mentionné que Ariel Henry dit que lui est prêt pour lui livrer tout le monde qui était collaboré avec compagnie ça. Maintenant, l'invité pour nous regarder. Premièrement, qui s'accompagne ça à régler, on te visite sur place, t'as qu'à 13 intéressant pour regarder, mais tout et côté responsable et compagnie ça. Est-ce qu'il y a des poursuites qui sont faites d'elle, même j'en l'ai fait pour l'autre monde qui est entre guillemets et recruté pour tal et participer dans l'opération ça. Ce sont ensemble de questions qui toujours été pas d'autres guerriers, Bob c'est bien honnête. Et est-ce que parce que on a qui dit non, article, il y a parlé de CTO, il a présenté Solange comme co-comploteur qui s'est représentant CTO quelque part. Alors, en dans article là, il a parlé de Solange comme il y a un monde qui lui-même collaborer ou bien c'était une monde qui était en contact direct avec les compagnies c'était une monde qui était en charge dans la question recrutement mais en article là il n'y a pas vraiment rentré dans cause comme si pour t'agader et t'as dit degré de responsabilité monde qui est responsable et compagnie bien plus à faire référence avec monde qui a arrêté ou là qui c'est des suspects qui étaient collaborés avec CTU, mais pas vraiment à le questionner responsable en lui-même. Donc effectivement, l'article, ça a juste mentionné les questions CTU, mais pas aller vraiment en profondeur, déjà, j'en ai dit tout à l'heure. Eh bien, merci un peu, Alexandre Savienne. Merci un peu, Guerrier. Merci un peu, Bob, c'est Pierre-Renel. Merci tout le monde. Voilà. Bon travail. Bon travail.